Bonjour, la vidéo que vous allez regarder n'a pas de bande vocale à l'origine, aussi je me propose d'en rajouter une et de vous expliquer un peu tout ce qui va se passer en image. Notre voyage nous amène donc en Suisse, au centre de l'Europe, plus précisément à Murtenmora, qui est le siège social de la société Chambre Info. Voici une petite vue sur la Suisse typique telle qu'elle est dans la zone alémanique. Des vieilles bâtisses superbement conservées. Et nous sommes donc au siège social de Chambre Info. Humph, Chambre veut dire Humph en allemand. Donc voici la Suisse et son climat. Donc au moment même où vous regardez ces images, vous devez vous dire mais ça n'a rien à voir avec le chambre. Eh bien, les petits bâtiments que vous voyez sont en chambre, aussi bien que ce chalet brut, parce que c'est un chalet d'exposition qui est en bois et en chambre. Les logos suisses et suisses allemands. Voici un champ à proximité du chalet d'exposition. Champ plusieurs hectares, surveillé en permanence. Vous imaginez bien que cela suscite des convoitises, qui est un des problèmes numéro un d'ailleurs de la culture du chanvre en Suisse. Voici la plante qui fait cette polémique.
cette plante qui attire tant les convoitises et avec laquelle on peut faire tant de choses. Donc pour commencer, sachez que Chanvre Info a installé un petit musée du chanvre au sein même de sa société. Donc nous pouvons voir ici de vieilles machines qui servaient soit à défiler, comme ici, sur la plante brute, soit à obtenir un produit plus fini, comme ici un peu de laine de chanvre. Mais Chanvre Info ne fait pas que de vous démontrer les possibilités de la plante et de ses applications, elle en parle aussi, elle organise, cette société organise des conférences, comme ici. Alors, quelque chose doit vous marquer l'esprit, c'est qu'on est loin du cliché chanvre égale baba cool avec chevelu et barbu. Il y en a aussi, mais ils sont une minorité. Suisse oblige, les gens qui s'intéressent à ces plantes, vous voyez, sont bien rasés, bien propres sur eux, pour la plupart, ce qui tranche énormément avec les activistes du chanvre français. Donc ceci, là nous venons de voir le directeur de la société Chanvre Info, le patron, plus exactement. Et vous remarquerez que bon, si la salle n'est pas pleine, mais bon, cette activité se fait quasiment tous les jours, il y a des observateurs étrangers qui viennent écouter un peu ce qui se raconte ici. Alors pour la petite histoire, sachez que en Europe, la Pologne est très avancée au niveau agriculture et au niveau champ. Ils n'ont pas des a priori comme chez nous en France. Alors Chanvre Info aussi communique de façon plus azimut avec Internet et les médias télévisés. Voici un petit exemple. Chanvre Info ne fait pas que communiquer ses propositions, il fait la promotion aussi de toute la littérature qui aborde la question, comme Les Échos du Chanvre, Cocorico, c'est un journal français qui est plus orienté écologie et agriculture que militantisme pour cette plante. Donc voici l'adresse de Chanvre Info en Suisse allemande. Donc dans ces expositions, Chanvre Info communique énormément et précisément, scientifiquement, sur tout ce qu'on peut faire avec cette plante magique. La médecine et la santé, mais c'est encore difficile d'en parler en France. Or, le livre, le film qui sert de support à ce livre, dans lequel vous m'écoutez en ce moment-là, peut aborder certains tabous, mais peut pas aller très loin encore. C'est illégal. Donc ici, nous sommes dans une zone de Chanvre Info qui fabrique des vêtements, reçoit des vêtements fabriqués à l'étranger et en fait la promotion, la diffusion au sein du territoire helvète. Vêtements en chanvre, évidemment, jusqu'à la moindre couture. Parce que les Suisses ont cette particularité, quand ils font quelque chose, ils le font mieux que les autres, et ils le font à fond. Alors niveau camping, évidemment, bon, bah, le tipi, c'est pour l'image, c'est pour attirer l'œil. Mais c'est pour vous montrer que la toile résiste très bien aussi. Ah, nous avons là un amateur qui fume pas des joints du tout, mais qui a trouvé que cette plante a une odeur. Écoutez-le lui-même le dire. Donc ça c'est un petit tour d'inspection pour voir si tout va bien.
Nous allons passer donc maintenant à la culture du chanvre. Des images qui illustrent ce modèle de culture un peu atypique dans le sens où on n'emploie pas de pesticides. Les plantes poussent très vite et deviennent très grosses dans les conditions agricoles. Et nous allons donc parler maintenant de la fibre de chanvre. Vous voyez, le tableau ici récapitule les principales parties qui vont de la fleur à la graine, en passant par les feuilles, la fibre. Mais aussi, dans une moindre mesure, la racine, mais elle n'est pas trop utilisée. Donc, le chanvre agricole ne s'embarrasse pas des précautions ordinairement utilisées, appliquées par ceux qui fument la plante. Ici, la culture est sur plusieurs hectares et on ne ramasse pas à la main. Ça se comprend. Donc, les branches sont ensuite, par voie mécanique, broyées de façon à extraire la fibre. Car la fibre, si elle est dans les branches, n'est pas à l'intérieur du bois. Elle est tout autour du bois, dans l'écorce plutôt. Nous y arrivons, un peu de patience. Alors, vous voyez, pour faire la laine de verre, les branches sont broyées aussi par des mécanismes petits. Là, on obtient des copeaux, c'est l'intérieur du bois, qui sont triés de ce qui est la future laine de chanvre, qui remplace avantageusement la laine de verre dans le sens où elle ne gratte pas, elle n'est pas cancérigène, elle n'est pas toxique, et elle demande aucune énergie pour sa fabrication, surtout. Donc, vous avez ici une succession de matériaux qu'on peut faire avec cette filasse, comme l'appellent les plombiers. Et vous voyez un petit pot de fleurs là, et qui est en résine injectée avec de la laine de chanvre, et qui, une fois sec, donne un matériau assez résistant. Toujours biodégradable et 0% toxique. Le bois de chanvre a son utilité. Vous voyez, la brique qui est ici, c'est tout simplement des particules de bois qui ont été mélangées à de la chaux. Ce qui offre plusieurs propriétés intéressantes. On en fait des panneaux, comme ici, vous voyez, ce sont des panneaux isolants. La chaux pétrifie le bois, ce qui le rend imputrescible, ignifugé aussi, ne brûle plus. C'est super isolant et les insectes ne peuvent pas le manger. Donc l'exemple est illustré ici par à l'occasion de petits cabanons de fabrication assez sommaire. C'est plus des cabanons de jardin puis d'exposition qu'autre chose, où on mélange le bois et le chanvre qui ensuite peut être peint. Ici il n'est pas peint pour des raisons d'exposition. Il peut être peint, crépi, recouvert de bois à nouveau, etc., etc. Alors là, c'est le travail du textile. Ça, c'est une démonstration du travail à l'ancienne. On travaille plus comme ça, heureusement. Mais le textile de chanvre, puisqu'on sait sélectionner au sein même de la fibre des textiles très fins ou très rugueux, peut permettre toute une vaste panoplie de matériaux qui servent après à ce textile, aussi bien pour la confection de sacs que de linge très fin, comme vous voyez ici en exemple. Les chaussures aussi. Il y a des parties dans les chaussures qui sont pas en chanvre, hein.
Quoi qu'on peut faire aussi des chaussures entièrement ensemble. Des casquettes, des vestes, des blousons, des... Alors ça, c'est très important. Ça, c'est du plastique de chanvre. C'est-à-dire du plastique biodégradable. Bon, ici, c'est plutôt une sorte de... comment on pourrait dire... De petits... pas un moulin, parce qu'il n'y a pas de pièces qui tombent, mais de... Petit ami à épices, qui peut aussi servir à autre chose, un peu plus illégal, mais bon. Le plastique de chanvre est entièrement biodégradable. Mais il peut être aussi mélangé avec du plastique de pétrole pour le recycler. Et là, évidemment, il ne devient plus biodégradable. Le plastique de chanvre peut être injecté de fibres, ce qui le rend bien plus résistant et permet de mouler des pièces. Comme ici, vous voyez. Alors tout ça, ce sont des exemples, des prototypes destinés à attirer l'attention du public dans les expositions. Et d'ailleurs, le public nombreux vient toucher ce matériau qui nous fait comprendre que finalement, on peut très bien sortir de l'air du pétrole sans aucun problème. Les graines de chanvre. Très importante. Il faut savoir que le chanvre, quand il est rempli de graines, au niveau de la plante, ne produit presque plus de résine et donc presque plus de THC. Déjà, c'est une garantie de ne pas se faire voler son chanvre, parce que les voleurs, qui sont connaisseurs, s'en rendent vite compte. On presse ses graines et on obtient l'huile. Mais on n'obtient pas que de l'huile. Une fois l'huile récupérée, il reste donc évidemment tout le matériau qui constitue la graine, le matériau solide, qui s'appelle, du moins il sort sous la forme, une forme qu'on appelle le tourteau. Alors l'huile de graine de chanvre a des propriétés magiques au niveau médical, pour la santé et au niveau alimentaire. Elle contient tout un tas de choses que je vous convie à lire dans l'encyclopédie, parce que je ne vais pas les répéter ici, ça serait trop long. Voici le tourteau de chanvre. Ces tourteaux, on les fait sécher. Au début, ils sont un peu mous. Une fois qu'ils sont secs, on peut les réduire en poudre, donc en farine, et en faire des applications culinaires, qui vont de la fabrication de pâtes, au pain, etc. C'est de la protéine végétale pure, ça remplace la viande, et ça n'apporte pas tous les inconvénients de la viande. Ici, autre avantage de cette huile, c'est, vous voyez, on peut faire tourner un tracteur, un moteur diesel de tracteur avec. Donc, ça s'applique aussi bien à l'automobile. Voici la partie de la plante qui crée polémique, c'est les fleurs de chanvre. Hein, je précise, les fleurs de la plante femelle. Parce que la plante mâle ne produit pas de résine et de THC. Donc, qui crée polémique parce que les variétés utilisées en Suisse fabriquent beaucoup plus de THC. Le THC étant le principal principe actif de la drogue, il y en a d'autres. Voici comment on récolte en Suisse. Et vous imaginez, ce sont des petits arbres. Hein. Il faut du matériel approprié. On ne va pas essayer d'arracher ça à la main ou d'y scier. On y passerait trop de temps, on y trop d'énergie. Donc ce chanvre est mis plus ou moins en branche, voyez, et récolté tel quel. Sa destination finale sera soit d'être séché dans des placards, soit d'être séché dans des séchoirs. Mais il perd beaucoup de résine. Et aussi, quelquefois, il peut être directement utilisé dans des process verts. Nous allons voir plus loin où ces fleurs de chanvre seront distillées en étant vertes. Alors ici, vous voyez bien, il y a une chose qui est marquante dans ce champ, c'est qu'il n'y a que des fleurs femelles, il n'y a que des plantes femelles, il n'y a pas de plantes mâles. C'est le principe du bouturage qui permet ce genre de culture. Les fleurs mâles étant absentes, il n'y a pas de pollinisation, donc pas de graines. Donc on obtient des plantes qui produisent un maximum de fleurs et de résines et qui permettent actuellement le domaine légal de la résine et d'en faire de l'huile essentielle dénuée de THC qui est détruite lors de la fabrication de l'huile. Et qui sert ensuite de base pour l'aromatique, pour la cosmétique, pour aussi le culinaire, les bonbons et tout comme ça. Il n'y a absolument pas de drogue dedans.
Donc c'est tout à fait légal. Voici donc un alambic à la vapeur qui permet donc cette extraction d'huile essentielle de chanvre. La chaleur est telle que le THC se transforme en gaz et part dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on dit qu'il est détruit à la fabrication d'huile essentielle. Cette vapeur monte à 120 degrés et elle entraîne, en passant, on met les fleurs de chanvre, vous voyez, on dégage les fleurs des branches. Là, le chanvre va être distillé vert, il va pas être distillé séché, il va directement être distillé dans l'alambic. Et ce faisant, on dégage quand même les branches parce qu'elles ne nous apportent rien au niveau huile essentielle, donc il y aurait trop de place dans le cuivre, ces branches. Donc elles sont dégagées. Ces branches ne sont pas jetées pour autant. Elles vont être mises en plaquettes, c'est-à-dire en petits copeaux, puis compostées, et ça donne un excellent terreau bio parce que la culture du chanvre est bio, je le rappelle. Cette plante n'a pas besoin d'insecticides ou de pesticides quoi, ou d'engrais, et pousse très bien d'elle-même toute seule, surtout en Suisse avec le climat qu'il fait. Donc les fleurs, une fois enlevées de ôtées de leurs branches, sont mises dans les cuves. Le principe est simple, hein. La vapeur est produite par une chaudière, elle est injectée dans les cuves, elle passe à travers le chanvre, elle entraîne avec elle l'huile essentielle, qui est la résine, tout simplement la résine de la plante. Mais ce faisant, cette huile essentielle, en ressortant, le THC, la partie drogue, si vous voulez, transformée en gaz, repart dans l'atmosphère, et l'huile, je le répète, ressort avec... peut-être pas 0% de THC, mais des traces infimes, qui fait qu'elle est tolérée sans aucun problème pour des applications ensuite commerciales ou industrielles. Il ne faut pas oublier de fermer le couvercle et de le fermer hermétiquement. C'est un travail que j'ai eu la chance de faire chez Bernard Rapin à la ferme Oasis. C'est fatigant, hein. C'est salissant, mais pas dans le sens où on pourrait l'imaginer. C'est au contact de la plante, on prend la résine sur soi, sur les mains, sur les bras. On est obligé de prendre une bonne douche après, hein, je vous garantis. Sinon on est tout collant. Donc vous voyez la chaudière, et là vous avez l'eau de la vapeur qui refroidit, qui se retransforme en eau, et qui entraîne avec elle l'huile. L'huile qui va remonter à la surface et qu'on récupère après par des procédés assez simples. Les fleurs de chanvre, femelles, ce qui fait dresser généralement les cheveux sous le képi de nos gendarmes. On voit bien ici qu'elles n'ont pas de graines, hein. Les fleurs développent d'ailleurs un volume maximal puisqu'elles n'ont pas de graines. Quand elles portent des graines, il faut quand même comprendre qu'il y a des centaines de graines par semité. Toute l'énergie de la plante va à la fabrication de la graine, elle fait des fleurs beaucoup plus petites, et puis pratiquement plus de résine, donc pratiquement plus THC. Mais là ce n'est pas le cas. Donc si vous voulez, ce genre de culture pose des problèmes parce que ce sont des variétés à THC, je vous rappelle, et donc les champs sont véritablement pris d'assaut par des hordes de fumeurs ou de trafiquants. Il faut bien comprendre que en une nuit, un trafiquant peut arriver à voler deux fois ce que gagnerait un ouvrier spécialisé dans une usine pendant un an. Ça nécessite une garde de chaque instant, de jour comme de nuit, parce que les voleurs sont tellement omnibulés par le vol de chanvre qu'ils prennent tous les risques, et finalement ils finissent même par nous attaquer quand ils n'arrivent pas à voler ce qu'ils volent, à nous attaquer en pleine journée pendant qu'on travaille sur la distillation. Donc ici vous voyez, même les fleurs, quand elles sortent de l'alambic, ne sont pas jetées, elles sont réduites en
particule qui ensuite finira au compost et donnera lui aussi un excellent terreau bio. Alors on trie les branches parce que après ces branches se retrouvent, elles sont résistantes, alors elles se retrouvent dans le terreau, les clients n'aiment pas trop. On trie le plus gros des branches et on les repasse après dans la machine qui les broie. Cette huile essentielle est celle des graines. Ce sont deux huiles différentes. L'huile des graines, c'est l'huile des graines. L'huile essentielle, nous l'avons vu, c'est la résine extraite par distillation de la plante, des fleurs. Alors là, on répète trois fois la même chose, une fois en allemand, suisse-allemand, une fois en français, une fois en anglais. La Suisse a plusieurs langues officielles, vous le savez. Et l'anglais, quelquefois, y est même greffé pour une communication plus internationale. Donc cette huile essentielle sert de base dans l'alimentaire et puis au niveau des alcools ou des limonades aussi, des boissons non alcoolisées, pour donner un petit goût chaud. Alors vous voyez ici en rouge et en noir, vous avez du cidre et du jus de pomme. Je m'en suis régalé pendant des années, toutes les années que j'ai passé en Suisse. C'est excellent. Jus de pomme et cidre aromatisé à l'huile de chanvre. Les produits fabriqués sont variés. Dans les infusions au chanvre, il y a du chanvre, mais c'est plutôt des feuilles. Et pour donner le goût, on y rajoute à des fois un peu d'huile essentielle. Mais d'huile sans THC, bien sûr. Avec ce qui reste de la graine, on fabrique du couscous, des pâtes, tout un tas de produits. Et puis aussi d'autres produits plus spécifiques pour remplacer la viande, puisque je vous rappelle que c'est de la protéine végétale pure. La graine, ce qu'il y a dans la graine. Alors ici, c'est du chocolat avec des graines de chanvre. C'est excellent, ça. Ça donne un petit goût. Il faut goûter. Il faut goûter parce que c'est incommunicable. Donc avec l'huile de graines, on fabrique aussi du savon, des produits cosmétiques, dans lesquels on peut rajouter de l'huile essentielle pour donner une bonne odeur. On fait aussi des huiles de massage. Alors ça, c'est l'huile de graines avec de l'huile essentielle. Parce que l'huile de graine a la particularité d'avoir une molécule très fine qui passe à travers la peau. On vous masse et après vous n'êtes pas gras comme une frite. 100% est absorbé par de cette huile est absorbée par la peau. On fait aussi beaucoup de parfums avec l'huile essentielle. Enfin, nous arrivons à l'aromathérapie. Le principe est simple. Nous avons un petit ballon en verre dans lequel est plongé un petit tube en verre qui amène de l'air pulsé comme une sorte de compresseur d'air pour les aquariums, vous voyez. Et donc en passant par l'huile, cet air se charge de l'odeur et va ensuite se diffuser dans la pièce où vous résidez. Plus que d'être pratique, ce ballon en verre aussi pour fonction d'être esthétique. Voilà, vous avez eu un petit panel de ce qui est fait en Suisse avec le chanvre. Il y a beaucoup d'autres domaines et utilisations possibles avec cette plante, mais la Suisse, de par son climat et le fait que ses surfaces réduites aussi de culture, ne peut pas tout faire. Par exemple, des matériaux pour le bâtiment. La France est plus spécialisée là-dedans. André Furth, le PDG de la société Chanvre Info. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a appris beaucoup de choses, tout en étant un peu succincte. Et je vous remercie de votre attention. Et j'espère que nous tous, nous pourrons donner suite à cette grande affaire qu'est le chanvre. À bientôt.
that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.
time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shiny set the night.